Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se voit sur une nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter un matos que m'a envoyé mon pote Kamal. Il s'agit d'une Atsan BT65 SB Elite. Avant toute chose, les gars, j'ai reçu un paquetage encore de One Tigris. Donc je les contacte vraiment parce que je n'étais même pas au courant. Et il s'agit de quoi les gars? De caleçons. Alors je pensais que c'était des caleçons en suédine, en satin de survivaliste, mais en fait, il s'agit de cagoules, ok? Donc je sais pas pourquoi il m'envoie plein de matos en ce moment, j'ai rien demandé. Mais bon, ça je vous les ferai gagner, pourquoi pas, les copains. Bon. Bien, donc que dire sur cette BT65 SB Elite, donc carabine PCP de 19,9 joules, chambrée en 6,35 mm. Ce qu'il y a à savoir là-dessus, donc ça fait un peu plus de 4 kg poulet hein, directement. Et puis bon, bah réarmement manuel sur le teco comme ça, donc faut y aller franco un petit peu, et voilà. Donc, on va la parcourir. Voici, donc tu as un busque réglable, hein, directement. Donc tout ça, c'est du polymère. La sécurité qui est ici. Là, un double rail, 11 mm ou piquetini sur le dessus. Voilà, donc Made in Turkey. Et donc la BT, la Bâtard 65 Susbit Elite, donc créée par Atsan, qui est une sacrée chignole. Les avantages, tu vois, tu as des logements de chargeurs. Donc c'est livré avec 3 chargeurs, je crois, hein, parce que là, il m'en a livré 3, Kamal. Tu as... le combo hausse guidon, donc en fibre optique, réglable directement, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc là tu as ta protection de sonde de remplissage, PCP, ton manomètre situé sur le devant, je vais y remettre un petit coup. Et ici les gars, un canon fileté. Donc bon, Atsan, moi j'aime beaucoup hein, cette marque, hein, j'ai plusieurs carabines de chez eux, et puis bah, jamais été ennuyé avec. Et voilà, bon bref, alors dans le package. Il m'a fourni quoi le copain? Putain, c'est assez con. Donc pas mal de trucs, hein. On y va les potes, il m'a fait un petit paquet. Ah ouais? Bon, dedans, il a eu ça en pack. Alors je crois que cette chignole, elle tourne autour de 700 balles. Hein. Quelque chose comme ça. Donc là, on distingue une lunette en 3,12 par 44. Ouais, bon, ok. Il y a des colliers dessus. Bon, pré-monté, on va la monter hein, ensemble. Voilà, donc là, tous les accessoires. Putain, il y a encore un chargeur là-dedans, donc tout ça. Je crois qu'il y a aussi une aiguille haute puissance hein, qui m'a filé avec. Donc, on verra si on va la monter ensemble ou pas. On va la charger, je vais mettre une lunette dessus, et puis on va se tester ça à 30 mètres. Putain, j'arrive pas à parler avec cette vieille cagoule de con. Je comprends pas comment ils font les airsofters à se balader, à se trimballer avec leur chignole tout en cagoulé comme ça, comme des connards. Bon. Ok, donc lunettes montées, ça lui fait une bonne gueule hein, quand même. Hein. Les gars, cette BT Elite. Bon, on va la charger en air directement. Donc t'as les sondes hein, qui sont là. Et puis là, t'as le petit cache pour éviter que la poussière ne vienne s'incruster dans le système qui est ici. Donc c'est plutôt bien. Hein. De toute façon, j'aime bien leurs produits moi. Ok, bon, on charge ça. Toc toc, motherfucker. Allez, c'est parti, on met un coup de ventilo, le compresseur, et on y va. Ok, on s'en approche les gars, impeccable. Voilà, on est bon. Ok, on est en place, on met de la ciblerie à 30 mètres et puis on va voir ce que ça donne hein, directement. Putain, je te jure, les voisins, à un moment donné, ils vont appeler les flics, c'est sûr. C'est sûr et certain, les potes. Oh. Donc pas hésiter à accompagner le mouvement, c'est très important.
Ok. Donc là, on est dans le 9. Ouais. Tu vois, donc t'accompagnes bien, hein. Ok, dans le 1000. Je crois que j'ai tapé du trou dans le trou. À confirmer. Et du vent rescasse. J'espère que les voisins vont pas me voir outiller ainsi. C'est mort. On va frapper un gong, je sais plus combien de plongées là. Oh merde, j'en ai plus comme un con. Ok. Attends, alors c'est vrai que les mécaniques des Hatsan sont très dures. Hein. Pour en avoir possédé, c'est des bécanes géniales. Mais. C'est vrai que les systèmes d'armement, tout ce qui est culasse, c'est très très dur les potes. C'est de la très très bonne chignole. Bon, voilà, ça a l'air d'être précis, hein, de toute façon. Y'a pas de raison, hein, c'est du canon rayé, on emploie des bons plombs. Les chignoles sont de qualité. Mais pour autant, ouais. C'est au niveau des systèmes d'armement que je peine un peu, moi, avec ça. Mais 4 salles, mais bon. Ça va, ça va. On va taper un gong. C'est du 20 joules, hein. Ah merde, le con, tu vois, donc pense bien à remettre ta petite lorgnette. Taper de la 8. 8, 6, ça y va. Ça y va. On va faire une bonbonne de café, là. Ouais, ça y va, hein. Pas de problème. C'est fun. Ouais, hein, tu vois, ça... Ça y va bien. Pas de problème. Donc... Pastille. Non, c'est cool. Je sais pas combien on est rendu. On va se faire un troisième chargeur, hein. Donc de 9. C'est agréable, hein. Donc bonne chignole de surréaliste. Honnêtement, ça va chuter si je commence à taper du 50 mètres, mais bon, après pourquoi pas. Hein. Hop, donc chargement, lorgnette, hein. Tu vois. On peut s'y faire un petit peu. Ça groupe décemment, les gars. Ça groupe décemment. Je vais essayer un truc à 50 mètres sur la bâche bleue. Vous allez pas le voir la vidéo, mais c'est juste par acquis de conscience. Voir si ça frappe là où je veux. Ça va. Ça va à 50, hein. Ça chute un petit peu. Honnêtement, de là où j'ai shooté, il y a eu 2 cm. Donc honnêtement, ça y va. Pas de problème. Je me couvre le terrain. Voilà, capsule de café.
Yes sir, petit gong. Putain, ça envoie des palos quand même, hein. Je faisais le truc bleu là, la con, pour le fun. Oh. Non, je peux rien, Coco. Ouais, j'en ai encore un. Deux même. Là, par contre, je te dis, hein, c'est ce levier d'armement qui est putain de dur, mais alors ça, c'est assez incroyable, Michto. Assez incroyable, hein. Oh putain, je pense que j'ai explosé. Enfin bon. Donc voilà. Assez cool, franchement les potes. Franchement. Tu vois, petit système. Donc non, ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Hein. Bon, on va regarder un petit peu là-bas. Bon, voilà, sur le gong, enfin, je l'ai tellement pété, je peux pas vous dire quels éclats. Oh tiens, regarde, entre les œufs pourris là dégueulasses que ça chlingue, ça pue le fion de bruelle. Donc big up à toi GG Explorer, qui a relevé le défi, hein, brillamment d'ailleurs, hein. Mais bon, regarde, tu vois là, on a quand même groupé, hein, c'est pas dégueulasse, hein, puis avec la petite lunette de merde. Mais bon, tu vois, c'est quand même bien, on en a foutu plusieurs là. Non, c'est correct, hein. Top, petit résidu de plomb. Bon allez, je me casse, que ça sent le fion de bruelle, je te dis là. On débriefe à la cave, les gars. Bon, bah allez, on se rend dans la cave pour le débrief, les potes. Sur cet essai de la Hatsan BT65, la Bâtard 65 Susbit. Bah écoutez, c'est quand même du très bon matériel, hein. Bon, bah, ça groupe, il n'y a pas de problème, hein. Faut essayer sur 50 mètres. C'est bien équipé. Honnêtement, il n'y a pas à chier, hein, c'est quand même de la bonne cam. Alors, les défauts, hein, de toute façon, c'est pas parce que c'est la bécane de mon pote, hein, que bon, je vais dire oui à tout, hein, il me connaît de toute façon. Hein. Alors, c'est cool. Franchement, ça a de la gueule. C'est assez sympa à utiliser. Ça a l'air d'être très très précis, honnêtement. Donc, de ce qu'on a vu à 30 mètres, c'est très satisfaisant. Bien qu'il y ait un lorgnon, tu vois, la con, hein, ça c'est du truc chinois, je sais pas où c'est qu'il la pêche au ça, mais. Et voilà. Mais bon, c'est moyen de grouper. C'est super accessoirisé avec tout ce qui est rail Picatinny, donc en dessous, sur les côtés. Cette particularité des chargeurs là, que tu peux mettre, tu vois, dessus dans ton jardin, bah c'est bien, tu les perds pas au moins. Donc voilà, la petite sécurité. C'est bien monté, honnêtement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce serait très qualitatif. Tu peux monter un silencieux, on ne l'a pas fait parce que bon, là d'origine à 19,9 joules, eh bien. Honnêtement, c'est assez silencieux, hein, vous l'avez vu. Hein. Rien à voir, par exemple, avec ma XM1 qui est débridée, elle, qui claque. Je trouve, enfin, hein, j'ai l'habitude des armes à feu, donc... les gars, si je vous dis que ça claque, c'est que ça claque. Hein. Voilà, même si vous n'avez pas forcément le rendu sur le vidéo, mais je vous prie de me croire, quand même. Par contre, gros bémol, c'est cette... ce mécanisme, hein, d'armement. Hein. Ce levier de culasse est putain de dur, mon pote. Et voilà quoi, hein, donc si t'as envie de te faire des cloques au doigt, il n'y a pas de problème. Tu l'emploies, donc ça c'est vraiment une machine de bonhomme. Hein. Mais bon, par contre c'est super agréable. Alors elle est neuve, hein, elle est quasi neuve, donc peut-être ça va se roder. Comme j'avais un peu sur ma Hatsan Bully, hein. Vous savez, là, les 400 joules. Au début, c'est vrai que le levier d'armement, putain, fallait y aller. Hein. Qu'est-ce que je disais? Donc avec ma Hatsan 400 joules, après sentir, ça allait déjà nettement mieux. Mais bon. Après, voilà, t'as des petites spécificités qui sont pas mal. Comme ça, la petite target pour engager ton chargeur, c'est bien. Et puis, voilà, quoi. Mais bon, ça reste à roder, à bien huiler. Parce que sinon, c'est putain de dur, ok. Donc, voilà, crosse réglable. Tu as le trou de pouce, donc c'est bien confortable. L'angle de la poignée est bien, ça tombe bien sous la pogne. Donc, non. En plus, t'as un petit look méchant que j'aime beaucoup. Donc, du fun. Donc, on va voir... Si je la débride ou pas, enfin du moins si je la passe en haute puissance, on va voir si j'ai le temps, si Kamel me la prête encore un petit peu. Peut-être que je vous le ferai, les gars, pour voir ce que ça donne au sac en full.
Mais pour autant, bon, ça va. Alors, j'ai pas testé bras francs, mais je pense que ça peut aller, honnêtement. Parce que bon, bah, 4 kilos, mais bon, t'as le poids un peu sur l'arrière. Donc, au niveau de la manip, non, ça va. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Ça devrait le faire, les gars. Donc, beau matos, hein, les copains. Alors, 700 balles en pack. Moi, j'aime pas du tout les packs, je vais vous dire, parce qu'ils vous filent tout le temps des lorgnons de merde. Donc, achète la nuit, puis achète-toi une bonne lunette avec. Elle mérite, hein. Et pas une daube chinoise. Donc, bon. Ouais, ça vaut le coup, les gars. Hein. Par son ergonomie, je te dis. J'ai bien apprécié, tu vois, la poignée. Hein. Ils font des trucs assez ergonomiques à ça. Et puis, bon, bah voilà. Voilà ce que je peux vous en dire, les potes. Hein, en tout cas. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Hein. Je vous demande pas des dons. Là. Hein, je chiale jamais parce que j'ai perdu un ongle ou quoi. Donc bon, abonnez-vous, ça soutient la chaîne et ça fait de la force, ok? Donc bon, on se voit sur une autre vidéo, débile dont j'ai le secret les potes, peut-être habillé plus normalement. Et puis j'ai enlevé cette cagoule là, de sadomaso, parce que j'arrive plus à y respirer. Oh putain, ça fait du bien. Mais bon, j'ai mouillé le slip, on va dire, pour le test, pour vous faire délirer. Et puis bon, bah voilà. Ok les gars, allez, on se voit sur une prochaine. Bye, peut-être sur le vlog du dimanche, on verra. Je sais pas quand est-ce que je vais foutre cette vidéo. Mais en tout cas, très très beau modèle. Hein. C'est de la gueule. Hein. Bon allez, bye!